Après leur inoubliable voyage au Vietnam à l'occasion des fêtes de fin d'année, Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joey ont retrouvé leur quotidien plus ordinaire du côté de Los Angeles. Le mardi 22 janvier, la femme de Johnny Hallyday et sa progéniture se sont promenées dans les rues de la ville californienne et elles n'ont pas résisté à l'envie de s'offrir une pause fraîcheur grâce à un jeune vendeur ambulant. Jade a filmé la scène et l'a partagée dans sa story Instagram. On peut voir Joey passer derrière le stand et commander des verres de limonade à 1 $. Le jeune garçon en a préparé un pour Laetitia Hallyday, qui a également eu le droit à un petit bonbon pour accompagner sa boisson. Joey a ensuite posé son verre à la main avec le jeune garçon sous un beau soleil californien. Jade Hallyday partage beaucoup de moments passés en famille ces derniers jours. Le 20 janvier, elle a immortalisé son après-midi entre filles avec sa mère. Elles ont partagé une boisson à la terrasse d'un café de Los Angeles. Ma douceur, mon monde, a écrit Laetitia Hallyday en postant un selfie avec sa fille sur son compte Instagram. La veille, les filles de Johnny Hallyday et leur mère avaient dîné au restaurant avec l'ami de la famille, le musicien Maxime Nucci. L'amour est tout ce dont nous avons besoin, a commenté Jade dans sa story Instagram. Laetitia fâchée avec sa famille de l'autre côté de l'Atlantique, Bernard Montiel a affirmé dans Touche pas à mon poste le 22 janvier que les relations entre Laetitia Hallyday et sa famille étaient fraîches en ce moment. Laetitia Hallyday est vraiment fâchée avec sa famille, a indiqué le chroniqueur de Cyril Hanouna en nommant sa grand-mère, Mamie Rock, et son père André Boudou. Loading DJ.